l'élément déclencheur, elle est déjà lointaine dans le temps, au niveau historique, hein. Elle date déjà d'il y a 12 ans, 13 ans. L'élément déclencheur, ça a été en fait la construction, l'agrandissement plus exactement, de l'école, puisqu'on avait besoin de redimensionner le restaurant scolaire, on avait besoin aussi de recréer une classe, de réaménager les équipements pour les maternelles. Et donc ce projet-là, tout d'un coup, a évolué dans le temps, et on est parti de quelque chose de modeste à un bâtiment, un projet de bâtiment finalisé avec une approche thermique très, très étudiée, en collaboration d'ailleurs avec un technicien de Synergie. Et à partir de ce premier bâtiment agrandi, réorganisé, on a en fait entre 2009 et puis 2015, 2016, revu, réorganisé, réhabilité l'ensemble des bâtiments communaux sur l'aspect thermique. Historiquement, donc, nos projets remontent à 2008. Donc, on devait décider en 2008 de l'agrandissement et de la réorganisation de l'espace scolaire, de l'école, puisque nous avions besoin de construire, d'avoir un restaurant scolaire beaucoup plus grand, puisque les effectifs accueillis à l'école augmentaient. Et on devait aussi recréer un espace pour les maternelles. Donc, à partir de 2008, on a étudié le projet avec au départ quelque chose de relativement modeste au niveau du bâti, qui a beaucoup évolué par la suite, pour un projet en 2009 avec l'utilisation d'éco-matériaux, avec aussi, je dirais, une étude thermique relativement poussée pour l'époque. Donc ça, c'était le premier projet. Et sur l'aspect bâtiment, c'est aussi greffé un aspect photovoltaïque, donc également en 2009, avec l'installation d'un projet photovoltaïque d'une puissance de 30 kW. Puis, nous avons, en prolongement de ce premier projet, décidé de travailler sur l'ensemble des bâtiments communaux. Donc, on a continué en 2013 sur l'aménagement de la mairie. Même chose, donc là, il y avait peu de modifications au niveau de la structure du bâtiment. Par contre, on a retravaillé sur l'isolation intégralement, là aussi avec des éco-matériaux, avec une ossature intérieure en bois, une isolation en laine de bois également. Même chose ensuite en 2014. Là, on a réorganisé l'espace enfance qui accueille l'accueil périscolaire, les mercredis loisirs, le réseau Petite Enfance. Donc, on a totalement réorganisé cet espace-là qui était en fait l'ancienne école. Là aussi, en travaillant dans le même esprit qu'avec les bâtiments précédemment rénovés, avec des éco-matériaux, avec une bonne maîtrise thermique aussi des bâtiments. Et nous avons beaucoup plus récemment reconstruit aussi tout ce qui était équipement sportif et festif avec un bâtiment neuf, là aussi étudié en termes de maîtrise thermique, tant sur l'étanchéité à l'air que sur l'isolation. Nous avons travaillé aussi sur l'éclairage public, ça c'était en 2011. Nous avons changé des points lumineux vieillissants, consommateurs également. Et puis donc plus récemment, c'était en 2019,
nous avons mis en place deux petits projets photovoltaïques sur deux bâtiments, sur l'ancien vestiaire d'une part, et puis sur l'atelier communal. Donc ce sont deux projets d'environ 8,7 et 8,9 kW. Et donc au final, avec l'ensemble des installations photovoltaïques, eh bien, nous produisons 80% de l'électricité nécessaire à la commune, et ce qui représente environ 50% de notre consommation énergétique aussi, toute énergie confondue. Effectivement, l'implication des habitants ou des usagers est quelque chose de très important pour nous, avec cette notion de maîtrise d'usage très complémentaire de la maîtrise d'ouvrage, qui est en l'occurrence la commune, de la maîtrise d'œuvre aussi, voire de l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Et donc cette notion de maîtrise d'usage, nous l'avons mise en œuvre dès 2008 pour la rénovation de l'école, en impliquant l'ensemble des utilisateurs, c'est-à-dire les instituteurs, bien sûr, les responsables de la restauration scolaire, les responsables aussi de l'entretien du bâtiment. Et puis cette notion-là, elle a été prolongée aussi quand nous avons rénové la mairie, quand nous avons aussi rénové l'espace enfance, où là on a impliqué, en plus des utilisateurs, on a impliqué les familles via l'association Famille Rurale, qui était impliquée dans l'accueil de loisirs à l'époque, l'accueil de loisirs d'été. Et puis cette notion de participation des habitants, elle était encore renforcée quand on a prévu la rénovation de l'espace sportif et de loisirs. Et donc là, ça nous a engagé sur une longue réflexion avec les habitants qui petit à petit nous a amené sur des esquisses et donc sur un projet définitif. Voilà. Et puis cette notion-là, on l'a aussi prolongée sur d'autres projets mais qui ne sont pas en lien avec l'énergie, notamment sur l'espace paysager que nous avons construit par la suite à proximité du bâtiment sportif. Et puis surtout, et là cette fois-ci, c'est à l'ordre du jour de notre animation, les deux derniers projets photovoltaïques ont été très impliquants, puisque le projet a été conçu par une commission extra-municipale constituée d'habitants et de quelques élus, la maîtrise d'ouvrage restant bien évidemment au niveau de la commune. Et donc la commission extra-municipale a souhaité, suggéré que les habitants soient aussi prêteurs pour ce projet-là. Et donc au final, eh bien, nous avons sollicité les habitants et 35 habitants de la commune ont prêté pour mettre en place ce projet-là. 10 personnes aussi extérieures à la commune ont participé aussi au prêt, puisque nous avons mis en place, avec l'aide d'une société de crowdfunding, un prêt participatif. Et au final, eh bien, les prêteurs, l'ensemble des prêteurs ont représenté un apport, un financement de 20 000 euros, un prêt de 20 000 euros. Les difficultés en cours de chantier, il y en a sans doute eu quelques-unes, mais voilà, elles étaient tout à fait anodines et normales, hein, bien évidemment. Il y a quand même à citer une contrainte de calendrier. Je pense qu'avec cette notion de participation citoyenne, cette notion de maîtrise d'usage, eh bien, nous savons que nos projets demandent du temps. Il faut plusieurs années pour élaborer tout ça. Je pense notamment à la mise en place du bâtiment sportif et festif, où la réflexion a duré pendant 4 voire 5 ans, entre le premier moment où on a sollicité les habitants, les associations communales, et le moment où l'esquisse a été déterminée, choisie. Mais cette dimension temps est en fait une opportunité, puisqu'on s'aperçoit que les projets s'affinent, deviennent de plus en plus élaborés, et au final, je pense que ce temps est vraiment une richesse pour la constitution des projets, leur prévision. Alors, au niveau du bilan, donc le premier bilan, il est
au niveau de la consommation et de la production d'énergie. Donc au niveau de la consommation, comme je l'ai dit précédemment, nous avons baissé de 35 à 40% nos consommations initiales, malgré l'agrandissement de la surface bâtie. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, donc, c'est notre production photovoltaïque qui est de l'ordre de 48 000 kW à l'année, soit 80% de notre consommation électrique et 50% de la consommation énergétique, toute énergie confondue. Et puis, l'autre grande satisfaction, c'est petit à petit aussi la participation citoyenne, donc sur l'aspect bâtiment, bien sûr, et puis sur l'aspect énergétique aussi. Et donc cette image-là, enfin cette marque de fabrique, est devenue quelque chose qu'on utilise pour l'ensemble de nos projets maintenant, hein, quel qu'il soit.